Bonjour, je m'appelle Maud Villaret, je suis designer textile, j'ai une marque d'accessoires mode et maison et je vais vous expliquer aujourd'hui comment faire un collier entièrement à partir de chutes de cuir. Pour cela, vous aurez besoin de différentes chutes de cuir de préférence pas trop épais, de différentes couleurs. Vous avez également besoin d'un stylo, d'un ciseau, d'un clou, d'un marteau, d'un fermoir à collier du type mousqueton. Vous prenez vos chutes de cuir à l'envers et vous tracez des ronds à partir par exemple de bobines que vous avez sous la main. Vous tracez différentes tailles de ronds. Selon la longueur du collier que vous voulez faire, ou vous pouvez aussi faire un petit bracelet, il vous faudra entre 50 et 150 ronds découpés. Maintenant, vous n'avez plus qu'à découper les ronds que vous avez tracés. Redécoupez les toutes petits ronds dans vos chutes. Vous pouvez alterner des perles et des chutes de cuir, par exemple, ou des boutons et des chutes de cuir. Cela vous permettra également de gagner du temps. Une fois que vous avez fini votre découpe de ronds, je vous conseille de prendre une planche, un clou et un marteau, afin de les percer préalablement avant de les enfiler pour les monter sur votre collier. Vous gagnerez ainsi du temps et vous gagnerez également du temps en les superposant pour percer plusieurs à la fois. Une fois que vous avez fini de percer vos chutes de cuir, vous prenez votre fil, vous le coupez de la longueur souhaitée, vous faites passer le mousqueton, vous prenez une aiguille et vous enfilez vos chutes de cuir une à une comme si c'était des perles. Maintenant que vous êtes arrivé au bout du collier, en ayant fait tout un dégradé dans les différents diamètres de rond, vous passez à l'intérieur de l'anneau, vous faites un nœud tout autour, vous serrez bien, vous repassez à l'intérieur et vous coupez les fils. Pour varier le montage, vous pouvez également jouer sur les découpes de grosseur de rond et le mélanger avec d'autres matières, d'autres perles, d'autres tissus pour créer des sautoirs au gré de vos envies. Et maintenant, vous savez faire un collier à partir de chutes de cuir.